Bonjour. Je suis un marchand de rêves. Oui, un marchand de rêves. Et je connais bien aussi une marchande de rêves. Marchande de rêves, conteuse d'histoire, pays des merveilles, venue de nulle part. Il était une fois, ça commence comme ça. Panique au Pays Vert, ce conte écolo-rock raconte l'histoire d'un royaume qui ressemble fort au Cantal et à notre Auvergne bien verte, qui est vierge de toute pollution, donc, et qui va être attaquée par un redoutable fantôme des ordures. Je vis sous un tas d'épluchures, dans un amas de vieilles voitures, là où les carcasses s'amoncellent, moi je deviens la sentinelle. Oh, quel bonheur! Il suffit! Nous n'avons pas le temps de rire. Je suis le fantôme des ordures, la plus souillée des créatures, l'esprit qui habite les poubelles, le roi maudit, l'âme rebelle. Je suis le maître absolu. Je suis un grand défenseur des droits de l'enfant, je pense, puisque quand on fait des chansons et des livres pour enfants, on se doit de défendre l'enfance. Et le plus important des droits, finalement, c'est peut-être qu'on lègue à nos enfants une planète propre. Donc c'est un message environnemental, le fantôme des ordures existe, il perdure, et on en crèvera de nos déchets, puisqu'on n'arrête pas de produire, de consommer et puis de jeter. Donc le message c'est protégeons notre nature, sachons recycler, sachons préserver notre environnement. J'ai rêvé que la vie me souriait, ouais. J'ai rêvé que le monde n'était que fleurs. J'avais